Salut les gars, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, ça va être quoi? On va faire un lequel est le plus cher. Mais par contre, ça va être Lidl versus produit de luxe. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ouais, ouais. On va se régagaler. Régagaler. Ouais, ouais, ouais. On a raraqué. On a raraqué. C'était cher, cher, cher. Franchement, c'était archi cher. C'est abusé. Et franchement, pour le coup, Raph, il vous a concocté des produits de luxe. Ah ouais, franchement, je me suis pas foutu de votre gueule. Hein. De luxe. Luxe, genre. Luxe, 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 luxe. Ouais. Ça veut dire que niveau pâtisserie sur la capitale, vous trouverez pas plus luxe que non, ce qu'il a trouvé. Je pense pas. Je pense que j'ai vraiment pris le haut du gratin du luxe de la pâtisserie. Je suis d'accord. Je suis... D'accord. En tout cas, les gars, le petit pouce en l'air, le petit abonnement, les commentaires. Mettez qu'est-ce que vous aimez le plus comme pâtisserie en commentaire et je likerai. Chocolatine ou pas au chocolat? Il n'y a pas de chocolatine aujourd'hui. Ah. Ouais, désolé les gars, pas de chocolatine dans cette vidéo. Je spoil un peu où on est parti. Ah non, c'est pas. Ok, je spoil pas, je vais pas mettre. Alors, mettez en commentaire chocolatine. Et si vous êtes pas content, bah mettez en commentaire, je suis pas content. Ok, comme ça au moins vous ferez un référencement. On crée le débat. Est-ce que vous vous dites chocolatine ou pain au chocolat? Moi perso, je dis chocolatine. Après, toi, tu dis quoi? Moi, je dis pain au choc. Ah ouais? Pain au choc, moi, carrément. C'est vrai qu'on a souvent cette discussion. Ouais, c'est vrai que c'est le seul point de discorde dans notre couple d'ailleurs. Ouais, parce qu'un pain au choc. Bref, on n'est pas dans cette vidéo. Un pain au chocolat, c'est du chocolat avec du pain. Mais en tout cas, si vous mettez. Pardon. C'est ma vidéo. Donc je ferme ma gueule. Un peu. Les gars, mettez en commentaire en vrai tout ce que vous voulez. Tant que vous mettez un commentaire comme ça, moi je suis en tendance. Référencement, tu connais. Ça soutient la chaîne. Il n'y a pas besoin de payer. C'est gratuit. C'est moi qui ralasse les trucs de luxe. Et toi, tu te régales en regardant. Ouais. On dirait vraiment que je suis une vieille. Oui, vraiment. Bon, bah je pense que c'est bon. Hein. Ils ont mis un like, ils sont abonnés, ils ont mis un commentaire. Je pense qu'on peut commencer la vidéo. T'expliques les consignes juste après? Non, j'explique les consignes tout de suite. Ok. En gros, les gars, ça va être chacun son tour. On va avoir un article chacun. Donc, ça sera un article de Lidl et un article de luxe. Le moins cher de Lidl. Hein. Bah, Lidl, généralement, c'est pas très cher. Bah, ouais, mais il y a des bons articles quand même. On a pris le moins cher de Lidl. Ouais, on a pris le moins cher de Lidl. On a pris le moins cher de Lidl et des produits de luxe. Donc, du coup, on va avoir les yeux bandés, comme ceci. Et on va goûter et on va devoir deviner lequel est le plus cher, lequel est le plus Lidl. C'est bon? C'est bon. Ok, c'est parti. Et celui qui perd, il... Ah bah je sais pas. Au pire les gars, celui qui perd doit inviter un abonné à manger une pâtisserie de luxe. Trop stylé. Ah ouais? Ouais. Et bah vas-y. Pour ça, il faut aller s'abonner sur mon compte Insta et je choisirai quelqu'un pour partager ce doux repas. Et il choisira l'article de luxe dans la vidéo qu'il veut goûter. Ah comme ouais, ça, au moins, il se régale en regardant et il se dit qu'il peut peut-être se régaler avec nous. Allez, ouais, vas-y, vas-y, on va faire ça. Marché. Marché. Conclu. Ou cocu. Qui commence? Moi. Non, on va faire un truc. Celui qui raconte l'anecdote la plus drôle, mais qu'il faut qu'elle soit très courte. Un jour, j'ai dit à mon Uber de rouler plus doucement parce que j'avais mal au ventre. Et en sortant de la voiture, ça a fait un bruit chelou à cause du cuir, donc un bruit de paix. Ouais. Et il m'a regardé trop bizarre. Ok. Et il a cru que j'avais pété. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Cette nuit, j'ai rêvé que genre je volais, mais comme j'avais pas de culotte, du coup mon zizi il faisait ça. Vas-y, tu commences, t'es sûr. Ok, on commence par quoi? Bah, je sais pas, commence par ce que tu veux. Ok, ça marche. Tu choisis. On est parti, je vais vous montrer par quoi je commence. Alors, j'ai choisi le macaron. C'est vraiment, on triche pas, hein. On triche pas, pas de triche. Hein. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, est-ce que je peux déjà toucher? Vas-y, touche. Ok, lui il est mou, il s'effrite vite. Lui il est un petit peu plus dur. Ok, il est bon. C'est quel goût? Ça, c'est Lidl. Ça, c'est chez Pierrot. Pierre Hermé? Ouais. Donc, celui-là, Pierre Hermé, et celui-là, Lidl. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Tu veux le verdict? Bah, déjà, laisse-moi regarder pour voir si j'ai. Ouais, si, c'est beau, c'est ça. Ça, c'est Lidl, et ça, c'est chez Pierre Hermé. Absolument pas. Ah ouais? Celui-là c'est un Pierre Hermé. Mais non! Et celui-là c'est du Lidl. Ah ouais? Je suis archi choquée. Ah ouais? Ouais! Oh, je suis choquée. Mais regarde, ça c'est les Pierre Hermé et ça c'est les Lidl. Ah ben non. Bah si. Si, c'est bon, c'est ce que j'ai dit. Ça j'ai dit c'était Lidl. Ouais, bah ça c'est Pierre Hermé et ça c'est Lidl. Hein? T'as vu? Ouais, Lidl! Par contre, vraiment, quand j'ai mélangé. Chez fille. Quand j'ai mélangé, je me suis dit, oups, lequel est lequel déjà? Ouais, t'as bien fait de choisir. Vanille Vanille? Franchement, t'as été surpris. Franchement de ouf hein. Même là quand je sais, bah les Lidl ils restent meilleurs. C'est mon tour. C'est ton tour. Trop bien. Je sens que ça. Les enfants en choco. Ah, c'est mon petit péché. Mignon. T'as
posé ça comme du n'importe quoi. Par contre, le packaging de Cyril Lignac, il est magnifique. C'est bon? Ouais. Ok, c'est là? Ouais. Ouh. Ouh, ça c'est doux ça. Ouah, et c'est doux. J'ai envie de dormir dessus. Ah ouais? Ouais, ça c'est doux. Deuxième? C'est pas doux. Ça c'est très rêche. Il y a plus de cacao. Et là, il y a plus de caca. Ok, je sais déjà lequel est le luxe et lequel est le pas luxe, du coup. T'es sûr? Bah ouais, je suis sûre de moi. Vas-y. Mais je vais quand même les goûter. Vas-y. Je vais Donne ton avis après. Ok, vas-y. Je goûte celui-là, parce que ça se trouve qu'il va être très très bon. Ouais, ça se trouve. Mmh, j'adore ça. Hein. Il est bon? Il est bon. Okay, il est bon. Là. Ah ouais. Tu vois quand tu danses parce que tu manges un truc qui est trop bon, tu vois ou pas? Ouais. Tu vois ou pas? Celui-là c'est le Cyril Lignac et celui-là c'est le Lidl Miskin. Mais par contre franchement, le Lidl il est archi bon aussi. Vas-y, hein. Bah demande tes yeux. C'est faux, hein. Je le sens au toucher, non, tu les as inversés. Ouais, inversé. Tu veux vraiment me faire perdre à chaque fois, hein. Goûte, goûte, goûte. J'ai goûté. Ah lui il est hyper tendre. Ah, lui il est dur. Il est... Lui c'est un thug et lui c'est pas un thug genre. Ouais, c'est ça. Bon on est sur 1-0 pour moi, tu peux remettre ton bandeau s'il te plaît, je te concocte autre chose. Hein. Allez c'est parti, let's go. Ok donc on va partir sur un saucisson. Le sauciflard. Le sauciflard. Il aurait une petite binouze avec. Non pas du tout. Ça tombe bien, j'aime pas ça. Mais wesh, tu t'es en train de te couper un doigt là par contre. Ok donc on a... Ok. 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 Alors. Mais non, parce que je sais que là, il y a du Lidl. Je sais, c'est ce que je vais faire. Et t'as de la chance que je les reconnaisse là. Oula, c'est des petits morceaux ça. Bah, tu m'as dit des petits morceaux, t'aimes pas trop ça. J'en sais rien. Pourquoi? Non, lui. Ouais. Lui il est fort donc lui ça doit être le bon marché. Ouais. Et lui il était très très fat. Et ben t'as eu raison. Après je suis pas un grand connaisseur de ce sifflard donc. Mais si quand même t'as deviné que c'était fort et tout. Par contre. Bah je me suis. Je l'emmène dans le. Tu l'emmènes en enfer ça. C'est bon tu triches pas? Je triche pas, moi je suis pas une tricheuse. Alors toi. Prochain article ça va être quoi? De l'eau. Mais j'avais soif. T'avais soif? J'avais très soif. Par contre, la bouteille d'eau qu'on a achetée là, Numen, elle est mais exceptionnellement belle. Comment on l'ouvre? Par contre, il faut avoir un bac plus 8. Hein. Je te jure, je sais pas l'ouvrir. Ah ouais? Tu veux que je t'aide? C'est bon. Oh là là, c'est beau ça. C'est comme c'est de l'eau, je pourrais enlever mon bandeau. Mais mélange-les moi aussi parce que je sais où t'as mis l'eau, quelle eau. C'est bon là? Waouh! Je ne vois pas la différence. Mais moi, je m'en rappelle plus. Je ne vois si, je m'en rappelle, aucune différence entre ces deux eaux. Mais moi, je suis curieux. Mmh. En plus, je t'ai pris de l'eau de source chez Lidl. C'est l'eau de source, c'est la pire eau du monde. Oh. C'est de la cristalline, quoi. Oh purée, mais c'est trop difficile. Ah ouais? Je dirais que celle-là, c'est celle de luxe, et celle-là, c'est la Lidl. Ah ouais? Ouais. Bah t'es fort. Arrête. Non, c'est pas ça. Eau de luxe, Lidl. Quoi? Je te jure. C'est pareil. Comme quoi, hein. Franchement, y'a rien de mieux que la vodka. Quand... Bon, à moi. À toi. Tu me fais le café. Là, t'as de l'eau chaude. Tu pourras juste me faire le Maxwell Sheffield là. D'accord. Vraiment pas où est où hein. Je sais pas qui est qui, vas-y. J'espère que toi tu sais. De toute façon moi, je vais savoir. Oh là là. T'as dit que tu sentais pas Raph. Ça là si c'est du Maxwell Sheffield, je me coupe un doigt de pied. Oh là là l'odeur. Tu m'as rien mis. Sans ça. Ah non mais c'est jour et nuit hein. Corsé. Ah ouais, il est har comme alors dans mon pays. Lequel est le plus cher? Ouais, c'est lui. C'est rien que ça se voit à l'odeur, il y a une petite mousse là. Rien que enlève ton bandeau, tu verras rien qu'à comment il est. Regarde celui-là. Ouais, c'est du carburant ça, c'est du kérosène. Il est fort, hein. Avec un peu de sucre, il passerait bien, mais... Il vient d'où? Indonésie, ouais, c'est du café indonésien. Bon bah tu as un point, on est sur 2-2. Ouais. Moi goûter le chocolat. Tu veux du chocolat? Ouais. Allez, petite gourmande là. Petite gourmande. On dirait les matelas du César. Du César. Ouais, tu sais, le restaurant là.
Les matelas? Les sièges un peu matelassés, genre. Ah, ok. Ouais, celui-là, c'est pas du luxe. Oh putain, et franchement j'ai mis 2 heures à attention, avoir le goût. Parce que plus c'est amer, plus c'est non mais c'est celui-là bon c'est cacao. Pas amer, ça a pas de goût. Oh, les deux sont pas de goût. Bah oui, c'est du chocolat noir. Mais le dernier c'est le luxe. Ouais, sur la fin je sens les notes. Bah ouais c'est ça. Et franchement on est trop fort hein. On a des goûts de luxe en vrai. Ouais on a le palais fin comme on dit dans le métier. Ah tu veux finir? Non non je le mets sur le côté. Ah, okay. Et il est bon hein, le matelassé là. On passe à quoi? L'éclair au chocolat. Je l'ai dit depuis tout à l'heure, il me parle de son éclair, j'en peux plus. J'ai regardé Issue. Je suis mort de rire. Je vais essayer de pas toucher le chocolat parce que je touche pas le chocolat parce que tu vas capter. Déjà. Touche pas le chocolat. Wow, vas-y, c'est bon, c'est Cyril lui. Pourquoi? Il est strigué sur le côté. Oh purée! Et le goût, juste juge le goût. Tu préfères le Lidl? Mais en fait, j'aime pas le chocolat. Ouais. Je préfère au café. Ouais, j'aurais dû prendre au café. Lui, il est vraiment très chocolat. C'est du très très bon chocolat. Ouais. Donc du coup, moi, je suis moins fan. Ouais. Alors que lui, c'est du chocolat industriel, très sucré, moins prononcé, moins amer. Et tu kiffes? Je prends pas du plaisir à manger. Mais il est plus mangeable que l'autre, selon toi. Il est moins fort. Il est moins fort. Il est plus sucré, il est plus... Ouais, en fait, si vous kiffez le chocolat... À toi. Ciao. Merci. Un petit croc. On alors. Fait croquer la famille. Un petit croc. Ah, ou la bouche, ou la bouche. Ouais, ce que mais je sais c'est lequel là que t'as dans les mains. Pourquoi? Parce que tu l'as... Non, parce que tu l'as montré à ma soeur, donc forcément tu l'as pas lâché des mains, je l'ai pas entendu le lâcher les mains. Donc là faut que tu sois malin. Parce que je suis maline. Ou la bouche? Non, ou vraiment la bouche, tu vas sentir... Tu vas tricher. Ok. Wouah. Ça m'a dégoûté, c'est une éponge. Moi, t'aurais mis une éponge, j'aurais pensé pareil. Oui, tu mets un peu de Nutella, ça passe. Ah ouais, non, mais pas du tout, on est à des années-lumière. Ah ouais, mais là, c'est... Toi, je le range écoutez, direct. Écoutez, le Cédric Grolet, il est juste incroyable. Oh là là, hé, hey, le beurre. Oh là 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 là. En plus, ils étaient tout frais, hein. Ok. Bah, ferme tes yeux, là. Ah, mais pas. Vas-y, croque. Le bruit est... Par contre, j'ai pas de bruit quand tu m'as mis de la poussière dans la bouche. Il est trop bon. Tu le kiffes? Ah ouais. Donne un peu encore. C'est lequel ton préféré? Je m'en rappelle plus. Tiens. C'est lequel ton préféré? Lidl. Ah ouais? Le dernier, c'était Lidl. Après, je crois que tu m'as donné un mauvais croc. Tu m'as donné ici. En fait, je t'ai donné ici pour que tu sentes que c'est sec comme celui-là. Parce que si je te donnais le milieu, t'allais deviner. Ah, tu m'as pas fait goûter au moins. Voilà, voilà. Tu m'as donné. Bah oui, j'ai fait exprès. Ah, c'est un goût de Nika. C'est exactement ce que j'ai dit à Janane. Je lui ai dit, quand elle m'a fait goûter ce truc-là, je lui ai fait, pourquoi tu m'emmènes ici pour manger un Snickers? Elle a eu trop le seum. Elle m'a dit, putain, c'est grave un Snickers, je suis choquée. Vas-y. Mais c'est toi qui testes le thé, t'as dit. Oui, oui, c'est moi. Non, mais il faut le faire infuser le thé. Ah, oui. Putain, il a dû m'en vouloir. Donc du coup, c'est qui teste le fromage? C'est moi? C'est toi. Oh purée. Indescriptible. Vraiment, les deux, ils sont carrés. Mmh, j'adore le gouda. Celui-là, il est super bon. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est celui-là, le gouda du luxe. Du luxe? Il est vraiment trop bon. Ah ouais? Goûte 1. Mmh. Ah, j'aime pas, il y avait du cumin dans... J'adore. Allez, let's go. Donc on part sur... Attends. Raph, là, tout va se jouer. Hein. Ok. Vas-y. Ok, c'est dégueulasse. C'est vrai que t'aimes pas les infusions, un peu thé. Thé infusion. Oh my god. Attends, il me faut mon nez. Ah, lui, je le sens bien. Lui, je sens toutes les épices. Ouais. Luxe, Lidl.
Ok, tu peux relever les yeux. Devine lequel maintenant. Bah lui c'est Lidl et lui c'est Lux. Ouais, t'es trompé. Ah ouais? Ouais. Eh, franchement c'est dur, goûte. Ah ouais? Ouais, je te jure c'est dur. Il a pas trop de goût. Je pense que tu l'as pas laissé infuser le... Les deux je les ai laissés infuser pareil. Il a moins de goût le Lux. T'as vu? Ouais. Parce que je pense qu'il faut le laisser plus longtemps infuser. En fait je pense que l'autre il s'infuse trop vite. Ok, bon bah... Bah écoute, t'as perdu. Putain, je perds tout le temps là, ça me saoule. Tu vas inviter... Tu sais maintenant, à partir du moment où on a vu que t'étais un tricheur, ça y est, le karma il t'en veut, à vie. Bah du coup les gars, mettez en commentaire ce que vous voulez. Allez me suivre sur Instagram, c'est juste ici. Envoyez-moi un DM ou qu'est-ce qu'on peut faire Qui commente dans ta photo pour participer. Ouais, voilà, c'est ça. Commentez sur ma photo. Qu'est-ce que vous voulez manger avec lui? La fois, c'était j'aime pas les oignons. Là, tu dis ça sent les pieds. Mettez ça sent les pieds sur ma dernière photo sur Instagram. Et bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi aussi, j'espère grave. J'ai grave kiffé l'affaire. Moi, j'ai grave kiffé aussi. C'était archi cool. À moins à payer, mais plus à l'affaire. Ouais. Merci d'avoir regardé. Merci d'être là à chaque fois. Hein. Ouais. Franchement, ça fait trop plaisir. On n'oublie pas le pouce en l'air, les abonnements. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous. Ciao, ciao.